Hola, por favor sígueme en Instagram, mi red social oficial donde podremos comunicarnos de manera más directa. Aquí, abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link directo para que me puedas seguir. Por favor, hazlo, me ayudarías muchísimo. Salon où l'on cause du récent mariage de Renault et de Volvo, par exemple. À ce propos, réaction du président Calvet. Le président Calvet... Renault et Volvo représentent à eux deux ambition pour 1990 et d'atteindre 14%. Et vous savez que le début d'année a été assez bon, puisque je pense que sur les deux premiers mois, janvier et février, nous devrions être entre 13,8 et 13,9. Dans ces conditions, Renault-Volvo. Du groupe PSA, parlons-en justement. Les nouveautés de Genève, boîte auto pour la XM. Et pour la 605, boîte auto et moteur diesel. Série Roland-Garros pour le cabriolet 205 avec capote électrique. Chez Renault, plus de 200 chevaux, 205 exactement maintenant pour le V6 turbo de la 25. Et une Alpine restylée dite Le Mans. Toujours au plan des nouveautés et en Europe, gros plan sur la Tempra de chez Fiat. Une berline 3 volumes de la catégorie moyenne supérieure, 8 motorisations différentes. En passant, coup d'œil à la Calibra de chez Opel, déjà présentée à Francfort. On dirait une japonaise. 100% nouvelle, la 216 de chez Rover. Deux moteurs au choix, un anglais double arbre et un Honda, tous les deux à 16 soupapes. Où l'histoire devient drôle, c'est que cette 216 devient Concerto lorsque, fabriquée elle aussi en Angleterre, elle porte la marque Honda, un cheval de Troie pour l'industrie européenne. Volkswagen, 15 ans après le lancement de la GTI, propose aujourd'hui une mécanique suralimentée avec son nouveau compresseur à spirale. 160 chevaux, 0 à 100 en 8 secondes 3, 216 en pointe. Toujours pour les amateurs de voitures rapides, Porsche présente une 911 turbo. Moteur 6 cylindres, bien sûr, 3 litres 3, un turbo, 320 chevaux. Chez Maserati, né après l'accord avec Fiat, voici la Chamale. Deux portes, deux places, moteur V8, 4 soupapes, 3 litres 2, suralimenté par deux turbos, 320 chevaux. Elle reprend la dénomination d'un modèle prestigieux, voici l'Élan, modèle 90 de chez Lotus. Intérieur traité avec recherche et sous le capot, un moteur japonais, what a shame, Isuzu est son nom, 1600, turbo, 167 chevaux. Nouveauté aussi chez Mercedes, non pas le cabriolet SL que l'on commence à voir rouler sur nos routes et qui représente un must et au plan technique et au plan style, mais nouveauté avec une 190 Evolution 2 à l'esthétique très discutable. Il s'agit de la voiture qui doit courir en groupe A dans le championnat d'Allemagne. Heureusement, il n'y en a que 5000 à vendre. À propos de Mercedes, arrivée en Suisse et bientôt en France d'une sérieuse concurrente, la Lexus, le haut de gamme de chez Toyota. Avec l'Infiniti de Nissan, l'objectif c'est de croquer les belles allemandes haut de gamme. Il faut avouer que la Lexus a de sérieux atouts, une finition exemplaire, des équipements attractifs et un prix compétitif. Pour le look, à vous de décider. Chez Jaguar, la nouveauté c'est pour demain avec la XJ220, une série limitée dans la lignée des 959 et F40. Quand la firme anglaise a annoncé qu'on pouvait passer commande, ce fut la ruée. Il s'agissait pour une voiture livrable dans 3 ans et demi de joindre à son offre d'achat un chèque de 50 millions de centimes. Thank you.
Si tú tienes algo más que agregar, por favor, déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios, que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor, suscríbete a mi canal. También regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy, muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Thank you.